Dites-moi, votre père, dans le temps, il jouait pas du violoncelle? Ah si, si, papa, il a joué du violoncelle, oui. Bon, alors vous tiendrez le violoncelle ce soir. Marcello, c'est ça ton conservatoire. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un violoncelle? Bonjour à tous et bienvenue dans Celloscope. Les violoncellistes du monde entier doivent régulièrement répondre à des questions qui ressemblent un petit peu à ça. Elle est grosse ta guitare. Elle est grande votre contrebasse. Ou encore... Vous allez bien nous jouer un petit air. Ça n'est ni une contrebasse ni une guitare et non, on ne va pas vous jouer un petit air. Enfin, les questions les plus récurrentes avant le célèbre... Vous auriez dû choisir la flûte. Vous auriez dû choisir la flûte. Vous auriez dû choisir la flûte. Ah! Oui, je sais, j'aurais dû faire de la petite flûte. C'est bien sûr... Mais il y a quoi là-dedans? Un cadavre? Ou bien encore... Vous transportez une kalachnikov là-dedans. C'est amusant. Et du coup, pour terminer cette année épouvantable de manière un peu légère, je me suis dit qu'on allait faire ensemble un récapitulatif des différentes utilisations possibles d'un étui de violoncelle. Alors pour ce qui est de transporter un cadavre, c'est en fait assez peu possible, en tout cas pas un cadavre adulte, ou alors en plusieurs morceaux. Alors oui, dans le film Il Merlo Maschio, l'acteur principal transporte son épouse dans sa boîte à violoncelle, mais déjà vous noterez que pour ce plan, la boîte à violoncelle est une boîte qui a été conçue spécialement, c'est une boîte d'une dimension plus large, qui permet à l'actrice Laura Antonelli de s'y tenir accroupie, et qu'en plus on est là dans le cadre d'une scène tout à fait onirique, comme il y en a pas mal dans ce film, et dans le cadre des rêves, bah, évidemment la logique fait ce qu'elle peut. Entrez. Après, effectivement, la capacité d'un étui de violoncelle permet d'imaginer pas mal de choses. J'ai votre jambon, madame Stenner. Hein. Ça fait 4002. 4200 francs? Oui, bah, il fait 7 kilos. Hein. Mais si vous trouvez que c'est trop cher, je peux le rendre facilement. Non, non, je le garde. Ça me fera tout l'hiver. Par exemple, dans Le Dernier Métro de François Truffaut, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, Catherine Deneuve se fait livrer dans la boîte à violoncelle un jambon entier qu'elle a acheté au marché noir. 4002, hein? Ouais, 4002. Voilà. Merci. Voilà le violoncelle. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un violoncelle? Et voilà l'animal. Regardez ça. 7 kilos. 7. J'ai pensé à l'étui à violoncelle parce que je vous voyais pas rentrer à votre hôtel avec un jambon sous le bras. J'ai eu tort. Non, non, vous avez bien fait. C'est une très bonne idée, Raymond. Merci. Et puisqu'on parle de Seconde Guerre mondiale, dans Papy fait de la résistance, Christian Clavier utilise l'étui de violoncelle pour dissimuler une bombe qu'il veut faire sauter au cours d'un dîner d'officiers nazis. Non, merci, merci, je la garde. Michel, j'ai la solution, Michel. Vous allez placer la bombe sous la table. On y va. Dans une minute, je fais diversion. Vous avez exactement 30 secondes pour vous glisser sous la nappe, compris? Dans un autre registre, dans Ariane de Billy Wilder, Audrey Hepburn, qui est violoncelliste, utilise son étui de violoncelle pour transporter un manteau de bison qu'elle a emprunté pour aller séduire Gary Cooper dans son hôtel parisien. Sans oublier Michel Serrault, bien sûr, qui dans le film « C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule » creuse un tunnel dans les toilettes de la gare de l'Est à Paris pour essayer d'accéder au coffre-fort d'une banque et utilise donc son étui de violoncelle pour déblayer les gravats. Parfait. Vous savez, the Queen. I hope so, sir. Dans la catégorie grand banditisme, on a bien sûr le transport de fonds qui trouve ses lettres de noblesse dans The Lady Killers d'Alexander McKendrix. Bye bye, Mrs. Wilberforce. Thanks for the nice tea and everything. Goodbye. Goodbye. What is that Moran playing at? It's stuck in the door. The case is... We'll ring the bell, brains. Don't just stand there. Thank you.
right, Mrs. Wilberforce. Everything's under control. Goodbye. Et toujours dans la catégorie grand banditisme, dans The Amazing Dr. Clitterhouse, ce sont les cambrioleurs de l'Hudson River String Quartet qui transportent dans la boîte à violoncelle de l'argenterie volée. Well, we sure gave a swell show. Yeah, but the house was empty. The kind of music we play give me an empty house every time, boy. Why did I have to carry the biggest piece? That's life, rabbit, that's life. Every time I look at this joint, I have to laugh. The same here, but the professor couldn't have picked a better hideout. No, it's the only place in the world the cops wouldn't get wise to. Well, after all, us guys really belong here, don't we? We're artists in our own line. Hey, what is this? This is silver. I said only gold, platinum. Who wants that junk? It's a genuine antique. The finest workmanship. Beautiful. Valuable antique. All right, bury the stuff. Somebody might walk in. You guys is getting more stupid every day. Et on n'oubliera jamais ce James Bond dans lequel la boîte du violoncelle sert tour à tour de leurre pour le KGB, d'étui pour fusil d'assaut et de luge de place pour le spectaculaire passage à l'ouest de Timothy Dalton et Myriam Dabo. Mais tout ça n'égalera jamais l'utilisation la plus touchante qui puisse être faite d'une boîte à violoncelle au cinéma, et qui est celle sur laquelle repose le scénario du film Le Concert de Radu Mihaileanu. Le réalisateur de Train de vie ou de Va, vie et devient signe en 2009 une comédie absurde mais sympathique qui raconte l'histoire d'un orchestre russe dissous 30 ans plus tôt pour des raisons politiques, qui se reconstitue dans la clandestinité la plus totale pour venir à Paris en se faisant passer pour un orchestre prestigieux. Dans ce film, on apprend comment le personnage joué par Mélanie Laurent a échappé à la déportation dans un camp de travail en Sibérie, et comment on a pu la faire passer à l'ouest alors qu'elle n'était qu'un bébé. Et comment, me direz-vous, on fait passer un bébé à l'ouest? Eh ben, en le cachant dans une boîte à violoncelle. Anne-Marie, je ne vous ai pas tout dit. À cause de l'interview à Radio Free Europe, Léa et Isaac ont été arrêtés par le KGB. Ils avaient une fille, un bébé de 6 mois. Voyant le KGB arriver, ils ont confié le bébé à leur voisine, qui nous l'a amené. Amené en France, s'il te plaît. Quel aurait été le destin d'un enfant juif de parents ennemis du peuple, condamné au camp à vie? Irina, Sacha et moi l'avons tout de suite envoyé en France, avec une amie manager qui était à Moscou. Et ça, on n'avait encore jamais vu dans Jelloscope. D'ailleurs, je vous propose un grand jeu concours. Le premier qui, dans les commentaires de cette vidéo, proposera une utilisation possible, amusante et originale de son vieil étui de violoncelle, gagnera un an d'abonnement gratuit à Jelloscope. Voilà! Il est temps que ce Jelloscope se termine, et cette année 2020 aussi d'ailleurs. Je vous souhaite un très bon Noël à tous.